Et l'on reste dans la consommation avec sur le web un petit point avec Olivia Duweb sur le post-Noël, hein. C'est ça Olivia? Ah oui, Internet c'est un peu le SAV du Père Noël. Après Noël, on parle conso sur Internet. Alors il y a évidemment la revente des cadeaux qui connaît un boom chaque année, mais il y a aussi d'aller vérifier si les jouets reçus par nos enfants ne présentent aucun risque. Ah. Anomalies, risques d'étouffement, voilà. Il y a plein de jouets qui sont rappelés chaque année parce qu'ils présentent un danger. Et il y a des sites spécialisés sur les rappels de produits. Il y en a un qui s'appelle Rappel de produits. Ça concerne tous les produits du quotidien, y compris les jouets. C'est la petite liste qu'on voit là, d'accord. Là, il y a la liste de tous les produits qui sont rappelés chaque jour dans le commerce. Okay. Ça concerne tout, y compris les jouets. Il y a aussi celui officiel du gouvernement ou encore celui de 60 millions de consommateurs. Ces sites, on peut évidemment aller les consulter pour les jouets après Noël, parce que c'est là que c'est le plus utile, mais aussi tout au long de l'année, pour tous les produits du quotidien, parce qu'on ne le sait pas forcément, on achète des produits, et puis ils présentent une anomalie ou un danger, et ils sont rappelés par les fabricants. Voilà, vous pouvez aller consulter ces sites, notamment au lendemain de Noël.